c'est que d'habitude, ceux qui ont fait ces choses se taisent, ou que ceux qui en parlent ne les ont pas faites. Et pourtant, je les ai faites. Seules les pierres sont innocentes. En ces temps modernes où la politique se noie dans le progrès, l'Occident diffuse ses techniques pour te permettre de respirer. Une bonne bouffée d'air radioactif avant d'entamer ton repas génétiquement modifié facilitera la digestion des nouvelles télévisées. Devant l'ampleur du désastre, les élites civilisées sabrent le champagne et distillent de nouveaux modes de vie. L'angoisse, la peur et l'indignation se propagent et garantissent le profit. La guerre, l'exil et la mort se répandent et assurent l'investissement. L'orchestration est parfaite. Le pouvoir invisible reste omniprésent, omnipotent. Mais devant l'évidence de la catastrophe, qui prend le temps de s'organiser? Peut-on encore faire société contre l'État? Seules les pierres sont innocentes. L'état de siège qui nous guette ne présage rien de bon, mais s'y préparer et assurer ses arrières reste la première des nécessités. Seules les pierres sont innocentes. Tout a peut-être commencé par une prise de conscience, puis a lentement cheminé vers une vision du monde où l'alliance et la lutte sont centrales, où le simple fait de vivre implique tout mon être jusqu'à la rupture la plus totale avec ce dont je suis issu. Illusion, l'heure ne se prête pas à danser la ravachole, mais pourtant je suis certain que seules les pierres sont innocentes. Par le fait, ne laissons rien au hasard. Il s'agit d'étouffer le système, de briser les engrenages du quotidien, de bloquer les flux et de tisser des liens. Il ne sera jamais question de passer aux aveux, mais je n'oublierai pas que seules les pierres sont innocentes. Thank you.